All right, I'm in. Hello tout le monde, c'est Asa. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dying Light. Bienvenue tout le monde. Et j'ai pas lancé la partie aujourd'hui parce que je voulais voir un petit peu où j'en étais de la campagne. Eh bien, figurez-vous que je suis tellement loin. Au niveau de l'histoire, 24% effectué. Progression 53%, je suis à la moitié du jeu, j'ai passé 24 heures. Ouais, alors il y en a qui l'ont fini en 30 heures. Encore une fois les amis, je ne comprends pas, je suis désolé. Alors peut-être que je fais des trucs, voilà. J'ai pourchassé un esquiveur. Mais bon, oui, oui, oui. Ça a pas été une partie de plaisir. Oh, tu plaisantes ou quoi? C'était génial mon gars. Une partie de plaisir, excuse-moi, mais c'était assez rapide, c'était assez vite torché. Une petite balle, on a récupéré le loot et on s'est cassé au grappin rapidement. Et c'est passé toi, qu'est-ce qui se passe? En parlant de grappin, quelqu'un m'a laissé un commentaire. J'arrive tout de suite. On va charger la partie et je vais y revenir très rapidement. Ouais, hier j'ai enregistré 4 épisodes. Donc du coup, entre temps, il n'y a pas eu énormément de commentaires. Mais je vais quand même venir sur, et puis reparler de rapidement quelques petits commentaires. Avant de démarrer la game. Et de démarrer, je ne sais même plus où je m'étais arrêté. Tu m'entends ? 5 sur 5, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, c'est vrai. Je coupe parce qu'on avait déjà vu ça. C'est l'autre qui est parti tout seul poser sa bombe comme un idiot, et souvenez-vous. On va y revenir. Commentaire. Daniel Decker tente de tuer un zombie avec le grappin. C'est pourquoi je n'y ai pas pensé avant. On va tester ça dans cet épisode. Orion Graphique qui me dit qu'un épisode de la guérilla du test sur DayZ était top. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Ton arme est cheatée. Oui, en effet. Alors tu parles de la... Non, c'est même pas la machette, c'est quelque chose que j'avais vendu lors d'un de mes précédents épisodes. C'était aussi une arme tranchante qui était relativement violente. On va voir ce que ça va donner avec cette arme. Je pense que la machette va être plutôt violente. Rappelle-moi le nombre de dégâts rapidement. 447, oui c'est ça. Pendant que le piolet fait 363. On va bien rigoler. Ensuite, il y avait d'autres choses. Yann EOQ, je ne sais pas trop comment, voilà. Salut à ceux, Oh mon dieu, tu les tournes quand tes vidéos? My gosh, c'était difficile ça. Et je lui ai répondu, voilà, d'habitude je tourne 3 ou 4 épisodes à la suite. Et en général, ben, il est relativement tard le soir, comme vous pouvez le voir derrière moi, il fait nuit. Encore une fois, il est 23h, je rentre du taf, je suis super chaud. Ok. C'était plus ou moins tout pour les commentaires. Oui, tout à fait. Bien, retournons sur notre game, les amis. Et on s'est arrêté. Alors, rapidement... Par chercher Raïm. Ouais, désolé, pardon, Steve. Raïm, il est ici. Non, il est pas ici, Raïm. Non, Omar et lui sont partis faire sauter le nid. Et ils sont dans le pétrin. Hein, quoi? Oui, pardon. Décidément, je ne fais que te couper. En fait, j'ai décidé de poser le pistolet. Mince. J'ai un katana sur moi? Ah ouais. Interesting. On va vendre, hein, parce que j'en ai rien à foutre, clairement. Voilà, c'est tout ce que je voulais déposer, parce que le flingue, je ne m'en sers jamais. On va acheter 2-3 trucs. Plastique, ouais, roule adhésif, tout ça, tralala. Vendre, katana, 1800 balles le katana tout de même. Ça va. Et on va vendre également les objets de valeur. Oui, ils ont trouvé des explosifs. C'est moi qui fournis. Je les ai piqués à Rice. Putain de merde. Oui, et puis arrête d'être pas loin, aussi, je vais le ramener, Brecken. J'espère. Tu vas le récupérer et me le ramener en vie que je lui batte le cul. Jade est au courant de tout ça? Non, elle est pas au courant. Ne lui en parle pas. Elle partirait à sa recherche. Dit-il qu'elle se mette dans le pétrin, elle aussi. Et merde. Bien, c'est bon, t'as fini? Très bien. Alors, on va rapidement voir l'intendant et livrer le parachutage. Un petit niveau? Ah, dommage. Pas tout à fait. Hop. Et on va récupérer les deux petites quêtes qui sont là. Alors le café, ça va être relativement rapide puisque j'en ai sur moi. J'en ai toujours d'ailleurs sur moi. Je sais pas où la ramener par contre cette quête. Bon, on verra bien. Pas à toi en tout cas, visiblement. Récupérer du gaz pour Teugar. Information de votre maître du gaz à Afra. Vous avez besoin de mon précieux gaz pour vos gazinières à la noix. Je suis quasiment à court de butane. S'il y a plus de gaz, venez manger de la soupe froide. Sans parler du reste. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si vous voulez que les gazinières continuent à marcher, apportez du butane à Teugar. Il vous paiera. Plan plancha. Okidoki. Très bien. Où est-ce qu'on livre le café dans cette histoire? Hein? Où?
Donc ça, c'est la quête principale. On est bien, on est au courant. Ah ouais, c'est vrai qu'il fallait faire ces deux quêtes également. Ouais. En effet. Je sais pas où on livre le caf. Café. Je le bute. C'est sûr, il suffit de trouver un... Hein, Togar, qu'on pense. Le club des amateurs de café compte sur vous. Bien, il est où le Togar, là, qu'on lui ramène son coffee. Alors déjà, on va suivre cette quête. 0 sur 20 café. J'ai pas de café. Ah bah ouais. Bah oui, forcément, j'ai pas de café. Pourquoi j'ai pas de café? Bah tout simplement parce que je viens de le vendre. Dammit. Attends, on va voir combien on peut en racheter. Viens à toi. Je vais te faire un bon prix. Oui, je sais, je suis au courant. Merde, on peut pas. Ok. C'est pas grave, on va trouver du café. Pas de soucis. On va juste... Ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'il est... Pff, fou ça. Donner les crayons à Kate. Il semblait l'avoir fait ça. Ah oui, non, j'ai fait la quête, mais je n'ai pas encore rendu les crayons, tout à fait. Alors, on est parti. Je suis toujours avec ma pioche de ouf. Et pour le coup, pour l'émission, je ne sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire les missions qui sont nord-ouest, je pense. Bah, eh ouais, non, je vais pas attaquer tout de suite et directement là. Salut! Merde! Hey! Hein? Quoi? Oh merde! J'ai même pas vu qu'il y avait des. Il est où? Bah, je suis là, c'est bon, regarde, je t'ai aidé. Merci, mon gars. Il faut que quelqu'un leur donne une leçon. Merci. Ça fait toujours plaisir. Eh, c'est bien aussi quand la musique s'arrête à un moment, parce que c'est pas tout ça, mais... À un moment, ça suffit quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Yeah. What the freak? Pourquoi il a disparu, lui? Il nous zingue. Merde, j'ai pas pu monter. Merde. Oh, damn it. Ah, s'il est là. Ok, vite. Vite, c'est par là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Salut. Wouhouhouhou. Alors, j'ai jamais vu en mode pompier celui-là. C'est vraiment de quoi il avait l'air. Mais malheureusement, j'ai pas eu trop le temps de m'arrêter. Puisque on va. Bah, encore une fois, faut être le problème sur le Big Tech. Hein, quand on parle de parachutage de stuff. Donc, on va y aller. Et bien entendu, on est prêts. Normish! C'est génial. Il y en a bientôt un niveau de déplacement. Ça va être cool aussi. Il va le falloir un moment ou un autre quand même. Faut pas déconner. Hop. Parfait. Allons par là. Non, faut par là. Très bien. Et du coup, je vais devoir m'arrêter un petit peu dans les baraques histoire de trouver un peu de café. Ce sera relativement vite réglé, je pense. Salut. T'y as vraiment pensé pendant 2 secondes? Sérieusement? Ça. Putain, j'ai que des clubs. Merde, pas cool ça. Salut. Dis-moi, t'as pas du café sur toi? Non, t'as aussi des clubs. Putain, vous avez tous des clubs ici, c'est fou ça. Je veux du caf. Give me some coffee, man. Clôture piégée. Interesting. Bien, voyons voir. Dedans, il y a du caf, c'est obligé. Ouais, bah, regarde. Bah, t'es fou quoi? Faire péter les trucs comme ça. Ah, notre premier. Ouais, bon. Après, je peux trouver ça sur des zombards relativement rapidement. C'est vrai que j'ai pas forcément obligé de faire le tour des baraques. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas looté, remarquez. Hein? C'est vrai. Alors faisons-nous plaisir. Un tout petit peu. Très rapidement, après je vais pas m'arrêter à tous les coins de rue non plus, mais. Mais si on peut s'arrêter vite fait, bien fait. Salut! Excuse-moi. Bien! Arme inefficace? Entendu. Gratuit? Ah bah non, pas pour le coup. Touché. Oh ça y est, tout le monde qui vient m'emmerder. Pourquoi j'ai rien fait, merde. Oh le triplé. Dégage. Ah bah il est là le bonhomme en mode je suis un ouf. Casse-toi. Ah ouais quand même hein.
Tiens, t'en as pris deux dans la... Ouais, ça c'est pas juste. J'étais pas à portée, monsieur. Dégage. What the freak, man? Encore? Je méritais pas ce coup-là. Sérieusement. Dégage. Dégage. Il y en a derrière moi, voilà. Possible ça, on peut pas être tranquille deux secondes là? Voilà. Incroyable. On a alors je sais pas combien on a tué là pour le coup, mais quand même quelques-uns. Mine 2. Bon. Ah, du caf. Ouais, c'est vrai que je pourrais tuer des zombies, remarquez, on est pas obligé de looter en fait. Non, je veux pas la barre lourde. Oh, damn it. Damn it. Inventaire. Barre lourde, où es-tu? Saloperie. Bah, démonter, tu vois, ouais, pff, ouais. Une pièce métallique, on s'en fout complètement. 3 caf. Et je vais tester la machette tout à l'heure. Ah merde, j'ai oublié de tester le coup du. Le coup du grappin sur le zombard. Il est où? Ouais, t'es où? Montre-toi. Ah non, marche pas? Non. Wow, on se calme. Oh yes, ça marche! Dégage, je suis en train d'essayer un truc. Putain, c'est possible ça? Ils me font tous chier, ils me font tous chier. Amène-toi, amène-toi. Ok, d'accord. Bien, il est où l'autre là qui tire? Voilà. Ça pique, hein? Ouais, je sais. Bien. Décidément. On se fait emmerder en début de game là. C'est assez incroyable. Oui, t'es où? Qui veut? Toi? Dégage. Bien. Autre chose peut-être? Ouais, j'ai loupé plein de trucs là. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrache clou. Merde, j'ai pris un tuyau de gaz. Oh, damn it. Bon, c'est pas grave. Je jette après. Des clubs. Mais les gars, ils sont tous fumeurs dans ce pays. Putain. Ouais, ça, ciao. Bye bye. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai raté? Ouais, toi. Ok. Donc, visiblement, ouais, on peut tuer des zombards au grappin. Ça a l'air marrant, ça. Vas-y, viens. Non. Dégage. Oh là là. Je suis en train de m'occuper d'un de tes potes. Bam. In the face, man. Mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Mais c'est rigolo quand même. Attends, maintenant du coup y a plein de trucs qui me viennent à l'esprit là. Est-ce qu'on peut faire ça, genre? Ah non, ça marche pas. Dégage. Attends, on va faire un autre truc. Oh putain. Bien sûr, Asso il reste à côté, forcément, voilà. Ah, loupé. Ouais, attends, essaye, c'est bien. Ok. Je sais pas, comprends pas. On se fait assiéger depuis avant, je sais pas. C'est ouais, s'ils veulent des coups, why not, hein. Moi j'en offre, hein, y'a pas de problème. Mais disons voilà. Alors, ça fait quel effet ça? Bien. Une bourse, très bien. Ah ouais, ok, je me suis dit que ça allait mettre un coup dedans et que potentiellement il y avait moyen de. Mais en fait non, pas du tout. Oh, oh là, c'est dégueulasse. Bouge de là, merci, tu es mignon. Tu es mignon. Allez, hop, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, tiens donc, qu'est-ce que c'est ça? Quelqu'un se faisant agresser. Eh les filles! Sans déconner! Ah, je te jure, je déconne pas. Non, loupé, t'aurais essayé. Et ton pote là, il est parti où? Non, parce que c'est pas tout ça, mais j'ai pas que ça à foutre moi non plus. Sans déconner, il est parti où? What? Il a disparu. Très bien. Soit. On va pas lui courir après non plus, hein. C'est quoi, hein? Ça va, les gars? Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Petite arme. Encore une petite arme. Encore ça. Et maintenant, comment ça se passe? Mais l'autre, il a disparu. Je vais pas non plus lui courir après. Enfin, comment ça marche, cette histoire? Eh, y a plus personne qui peut vous emmerder là. J'ai pas gagné mon. Non, j'ai pas gagné mon truc. Bon, ok, très bien. Faut le chasser. Voilà, on va le chasser. Il est où le mec? Vous avez vu quelqu'un passer ici ou pas? Je cherche un cucul. Allez, j'ai un cadeau pour toi. Il est sérieux lui. Alors? Ah ouais. Il pense même pas. Moi aussi je peux lancer des trucs, si tu vois ce que je veux dire.
Et ça fait vachement plus mal. Dégage. Voici, tiens. On se fait emmerder tout le temps. C'est fou, ça, c'est fou. C'est assez incroyable. Ah, allons-y. Bon. Pourquoi tu pleures? Je croyais qu'on allait y passer. Bien sûr que non. Je sais même pas comment vous remercier. Allez, un petit bisou et ça ira. Ou tu payes, tu choises. J'imagine à peine ce que ces salauds nous auraient fait. C'est formidable d'être encore en vie. Tu n'as pas envie de savoir ce qu'ils t'auraient fait. Ah, salut. Récompense argent 87. Pourquoi 87 et pas 100? Je ne sais pas. On s'en fout, c'est pas important. On y va, on enchaîne. Du coup, il y avait des trucs là? Ouais, putain, il y avait plein de trucs là. Hé, je fais des promos pile en ce moment. Bah. Attends. Tu peux récupérer des trucs là chez toi? Attends, excuse-moi, hein, Non, je passe. Excuse-moi, pardon. Ah non, c'est de l'autre côté. Autant pour moi. Je repasse. Voilà, merci. Je suis désolé. Où est-ce qu'on en était? Oui, c'est vrai, tu vends. Absolument. Pioche, ouais, non, mais ce que tu vends ne m'intéresse absolument pas, mec. Vois-tu? Donc, tu vas juste me vendre ça. Voilà, très bien. Et moi, je te vends toute la merde qu'on m'a refilée. À savoir tout ça. Cette fois-ci, je ne vais pas vendre mes items précieux, tralala. Puisque, bon, on va garder le caf. Et il y a la vieille qui veut me filer une nouvelle potion. C'est vrai. Tu es prêt à essayer une potion plus puissante? Tu me servirais encore mieux. Mais j'aurais besoin d'ingrédients plus efficaces. Dis-moi ce qu'il te faut, Dahlia. Apporte-moi le foie d'un puissant immortué. Ce doit être un géant, doté d'une grande force physique. Reviens quand tu auras ce qu'il me faut. No problemo, chérie. T'inquiète, je sais exactement ce qu'il te faut, ma grande. Il est où le pompier qu'on a vu avant, là? C'est obligé lui qui va nous... bah voilà. Zone infestée de Malabar. Très bien. Eh ben, si on allait chercher un Malabar, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? N'importe quoi. Allons-y. Allons chercher un de ces gros Malabar. Il est pété sa gueule, vite fait, bien fait, là. Et on n'en parle plus. Ah, j'ai plus de grappin, c'est vrai. C'est vrai que ça s'épuise. Il est en haut? Oh, damn it, il est en haut. Bon, on va attendre le grappin. Et on y va! Il est où notre... Alors, attendez. Wouhouhou! Merde, il m'a quand même fait mal, ce con. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Toi aussi. Oh, t'as défoncé ton pote, mec! C'était sale, sérieusement. Attends, on va y aller autrement. Hey, amène-toi. Viens là, gros sac. Regarde, tac, 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 et ciao. Bien. Elle est vachement cool, cette arme, je trouve. Vite fait, bien fait. Il est encore en train de s'électrocuter pendant que nous, on fait... voilà, on récupère 2-3 trucs au passage. Quelques petites armes, vite fait, bien fait. Ciao. Je te casse la gueule. Amène-toi. Bam. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Hein? Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Je ne sais pas. Je n'ai pas la moindre idée. Lâche Assom à la barre. Besoin d'un ingrédient pour sa potion. Ah non. Non, on n'a pas. Okidoki. Eh ben, on va chez l'autre Malabar qui est là. Voilà, tout simplement. Il y a un moment, on trouvera ce qu'il nous faut. Est-ce que j'ai vraiment tout pris chez lui, là? Chez ce gros tas. Peut-être bien. Ouais, peut-être une manière de les tuer, éventuellement, que je n'ai pas saisi, je ne sais pas trop. Wout. Même pas mal. Gamme-le, l'autre. Non, tu me cracheras rien sur la gueule, je n'ai pas envie, mec. Il est où, le Malabar suivant? Hein? Ouais, non, j'ai pas le temps. Vous n'êtes que des faibles, de toute manière. Bien. Ensuite. Alors, est-ce que c'est toi le Malabar, en fait? Parce que si ça se trouve, c'était toi, en fait. Non, je sais pas trop. Hein, qu'est-ce que tu veux, toi? Je t'ai loupé. Ah non, pas là par contre. Et une petite claque, peu importe où, mais ça fait...
Ça, t'as failli m'avoir, même failli. J'y bien. Allez, esquive, viens là. Bam, dans les fesses. Oh, je t'ai tué. Oh, ça fait tellement mal. C'est bon là ce qu'il faut? Non, toujours pas, on dirait. Non, barre lourde. Oh, dammit, je voulais pas la barre lourde. Il y a un truc bleu qui est là, je sais pas ce que c'est. Ah, bah si, je sais. Ok, je t'ai vu. Wouhou! Rock and roll, man. Pardon, excusez. J'ai un truc à récupérer. Qui est vachement plus important que votre tête. Si tu vois ce que je veux dire. Wow, alors le grappin, je sais pas trop où il est parti, mais il est parti, ça c'est certain. Il est où notre parachutage? Il est là. Parfait, 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 parfait. Regarde-moi ça. Ça fait un petit moment que je suis pas arrivé second sur le beefsteak. Ça me fait plaisir, vraiment, ça me fait plaisir. Et on se gave de caisses humanitaires, c'est juste génial. Bon, pour le coup, j'ai quand même pas trouvé le malabar qu'il me fallait. Alors attends, quête, chasse au malabar. Est-ce qu'il y a un malabar spécifique à défoncer? À défoncer? On dirait pas, hein. Non, je sais pas trop. Peut-être que j'ai omis un détail, je ne sais pas lequel c'est. Attends, on va lire la quête, parce que peut-être que lire, ça peut aider. La première potion de Dedalem est bien rendue invisible aux yeux des infectés, mais son effet s'est estompé au bout de 15 secondes et j'ai eu de sacrés problèmes de coordination. En effet, oui, je m'en souviens très bien. Elle est très utile, mais très handicapante. Une potion plus puissante aurait peut-être moins d'effets secondaires ou peut-être une plus longue durée. Tu ne m'aides pas du tout. Entendu. Eh bien, pas de problème. Je ne sais toujours pas où livrer ces crayons de couleur. Ah, Kate, mais Kate, elle est où? Hein? Kate. Oh merde, elle est dans la tour. Seriously? Elle était peut-être à l'étage, étage que je n'ai pas vérifié. Remarque, c'est juste. C'est pas grave, on va au carré maintenant. Allons-y. Ouais, on va faire. De toute façon, on faut tout faire, donc à la limite, j'ai envie de vous dire why not. Bien le bonjour. Ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait par ici? Rendez-vous au carré. Ouais, on y sommes. On y sommes, j'allais dire. Oui, on y est, quoi. Il y a un autre malabar juste là. Wow, il m'a fait super mal. Ah, je t'ai défoncé. Très bien. Alors attends. Qu'est-ce qu'il nous reste en item là? Oh. Il y en a un nouveau qui me crache. C'est pas possible ça. Oh, attends, non, on va d'abord aller looter le gros. Il tue ses propres potes. Aïe! What? Mais c'est un sniper le mec, il me touche à travers. Ah mais il y a un autre cochon ici, très bien. Salut! Alors, ça fait comment ça? Quel coup, je te jure. Bon. Ouais, du coup, il y a toute la planète qui est courant que je suis là. Dégage, tu m'emmerdes. Il est où le suivant là? C'est en a encore un qui me dégueule dessus? Je sais pas. Touché. Tu ne me fais plus rire. Non, tu ne me fais... Non, 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 tu ne me fais plus rire. Aïe. Aïe. Wow, 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 wow. Alors. Dégage. Qu'est-ce que c'est là? Possible ça. Il y a deux bonhommes. Je sais pas où ils sont. On dirait qu'ils sont... Eh, tu vas te détendre, mec. Oui, j'ai trouvé. Il est là, ton truc. T'inquiète pas, tout va bien. Regarde, il est là ton Toki là. Vous vous êtes perdu? Revenez ici tout de suite. Complexe 5 de Gabriel. Entrez par le sous-sol. C'est toi, Ozan? Ah, salut. Ça va? Ouais, très bien. Oh, il y a une voiture piégée juste là. Bon, il y a qu'un seul gars, on pourra pas la tester, mais... Enfin, il y avait un gars, parce que pour le coup, maintenant, il est plus tout à fait présent. On a une réparation gratos, tout à fait. Parfait. Bon. Du coup, la quête est torchée. Ah ben, j'ai récupéré un vendeur et je ne sais quoi d'autre. Ça doit sûrement être en haut. Nice. Hé eh. Non, loupé. Eh, saute. Non, saute. J'avais plus de grappin. Dommage.
Oui, je sais, le tas d'ordures, tout ça, tralala. Oui, 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 c'est sûr, c'est en fait. Je suis d'accord. Mais non, pas pour le coup. Salut, tu vas me faire un bon prix. Oui, je sais, je suis au courant. Également. Ah. Hop, 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 vendre. Ouais, barre lourde, on s'en fout. 9 cafés, on y est bientôt, on y est bientôt. Bon, du coup, je suis où, là? Ah bah, je suis arrivé... Ah ouais, mais en fait, la zone, elle était dans l'autre bâtiment. Très bien. Enfin, dans l'autre bâtiment, non, de l'autre côté du bâtiment, pardon, je vais y arriver. Comment qu'on sort, ici? On va faire le truc le plus simple du monde, à savoir par là et par là. Ok, très bien, maintenant, poursuivons. Boum! T'as eu peur, hein? Hein, t'as eu peur? Ah, j'adore, c'est génial. Ce jeu est juste fantastique. Ah, on a nouveau un malabar là. Salut! 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 Ouh, holy crap, man! J'ai. Ça picote, hein. Salut, salut, salut. Alors attends, et il y a plein de bagnoles de flics ici. Aïe! Qui c'est qui a pété, nouveau? Sérieusement? Vous me faites tout chier. Pardon, pardon. Amène-toi, ouais, c'est entre toi et moi là, malabar. J'ai faim, j'ai faim. Voilà. Et toujours pas, hein. C'est fou ça quand même. Ils sont tous en train d'exploser, les uns pas les autres. T'as une chance toi? Ah bah un peu moins en fait là pour le coup. Ça va? Ouais ouais ouais, attends regarde, je te montre. Ah ouais bah, bah très bien. Encore un là. C'est pas mal ça. Si on traverse un zombie en fait on peut lui péter sa gueule. On peut lui péter sa gueule assez rapidement. Oh, oh oui, le one shot. Ah non, dommage. Ah, ah, ah. Allez, t'es sérieux, mec? Seriously. Très bien. Voyons voir. Ça va pas l'air forcément intéressant puisqu'il n'y avait pas de couleur, mais on a un CAF au moins, c'est bien. Toi. Ensuite, il y avait plein de voitures de flics. Elles sont où maintenant, ces voitures de flics? Parce que tant qu'à faire, tant qu'on est là, pourquoi pas, hein. Puis on verra tout à l'heure pour le notre business qu'on a effectué. Par là? Non, par là. Ah là-bas. Très bien. Allez, deux kits de soins, ça c'est fait, tranquille ou la vie. Ensuite, s'attaquer au crochetage, très difficile. Oui. N'oubliez pas que si vous ne pouvez pas arriver à la tour, allez directement à l'abri le plus proche et attendez l'aube. T'inquiète, mec, ton bijou volé, allez, ça c'est fait, magnifique, toi. Ça fait du fric en plus, ça, c'est bon, ça. Allez, one shot. Allez, one shot. Suite. Oh, 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 oh. Oh. Hein? Alors, c'est qui le plus rapide? Je t'ai vu arriver, petite merde. Dégage. D'autres veulent jouer? Oui, il y en a d'autres qui veulent jouer. Amène-toi. Ah, t'es encore vivant après ce coup-là? Oh là là, un peu de silence, merde. Et voilà, et c'est parti. Et la suite qui déboule. Non? Même pas. Intéressant. Bon, poursuivons. Trop vite, Asso, trop vite, beaucoup trop rapide dans ton mouvement. Tu es trop violent dans tes mouvements. Ah ouais, oh, même quand t'es pas violent, ça marche pas. C'est pas grave, on s'en fout. On va y arriver, on va y arriver. Un jour, peut-être. Ah. Seriously, alors si tu veux économiser du crochet, il y a une autre solution. C'est... Ah, oh. Allez, allez. Il y a une autre solution, je disais, c'est tu fais échappe quand tu ne sens plus.
Non, non, doucement. Putain, c'est au millimètre, hein, sans déconner. Ah, oh, un katana. Nice, et un gladiateur, parfait ça. Est-ce qu'il y a d'autres voitures de flics directement dans le secteur là? Non, mais il y a un malabar. Je veux le malabar. Putain, ils sont pleins ici, dis donc, c'est fou ça. Salut. Alors, excuse-moi, mais c'est pas toi que je veux, c'est toi en fait. Super dangereux le malabar là. Vraiment. C'est toi que je veux. Voilà. Non, dégage. Occupé, occupé. Merci. Occupé, je disais. Oh là là. Pas vrai ça. Mais c'est pas eux qui vont me filer le loot en fait, je pense. Pas du tout même. À mon avis, c'est. Salut, malabar, numéro 2. Je me ferai avoir à chaque fois du coup. Je peux mettre que un coup. Wow, 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 wow. Qui veut? Oh la vache. Dégage. Merci, t'es mignon. T'avais une arme pour moi? Ouais, t'avais une arme. Nickel. Viens là. Oh, il l'a pris dans la tête. Il l'a pris dans la tête, je veux rien savoir. Ouais, ça roule, bisous. Oh là là, elle est incroyable cette arme. Elle est incroyable. Ah, je t'ai eu. T'es encore vivant? Non, t'es mort. Tu es mort. Oui, tu es mort. Bien. Un peu de café peut-être? Ouais, bah viens, viens. Voilà, très bien. Autre chose? Peut-être, éventuellement. Bien, bon maintenant elle est où ma quête? Elle est là-dedans. Elle était là ma quête, qu'est-ce que je dois faire ici moi? Qu'est-ce que je dois faire ici? Récupérer 3 batteries de bus. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dégage. Dégage. Oups, j'ai tout enflammé. Dégage. Dégage, dégage, dégage. Et dégage. Suivant. Toi. Comme ça, on est tranquille. Oh, je t'ai pas tué. Non, je t'ai pas tué. Bon, on s'en fout. Hein. Voyons voir. Comment on peut récupérer la batterie de bus? Elle est, sur le... Elle est où sur un bus? À l'avant. Crochetage facile. Ça doit être là. Ok. Ah merde! Obtenu une batterie de voiture. Mais c'est une batterie de bus qu'il me faut! Pas de voiture? Non! Une batterie sur 3, ok. Salut! Non, 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 tu meurs, s'il te plaît. Tu? Voilà. Attends, on va récupérer le CAF. Parce que je suis sûr qu'il y en a quelque part. Hop, hop, non, j'ai... Merde. Pas grave. On fera le tri tout à l'heure. Hein, c'est pourquoi? Très bien. Ensuite. Bus suivant. Allons-y. Mais j'en ai presque oublié mon objectif entre temps, n'est-ce pas? Pas grave, tout va bien. Tout va très bien. Ah bah non. Très bien. Parfait. Nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes. Batterie, merci. Batterie de voiture, même si c'est encore une fois une... batterie de bus qu'il nous faut. Est-ce qu'on en a une là? Ouais, nice. Aller livrer les batteries aux jumeaux, ça c'est bon. Maintenant on va d'abord aller au complexe de Gabriel, que je sais pas du tout entrer à l'intérieur. Ok, c'est par là. Quête. Ouais, c'est ça. Allons-y. Bien, là il, va fa... là il fait vraiment bien nuit je pense. Non, bientôt? La nuit arrive, ok très bien, maintenant il fait nuit. Donc nous avons transformation des gens autour de nous, c'est top. Un peu de fun les amis, un peu de fun. Ah ouais, en plus c'est bien parce que je vais pouvoir passer mon niveau sup. C'est bien ça aussi. Et non, on y va de... Dégage. T'es pas mort? C'est le slug. Maintenant t'es mort. Mais j'ai pas envie que tu te transformes. Mais au moins je peux passer mon niveau assez rapidement. De d'acrobatie là, de déplacement, de parcours, de ce que tu veux. J'ai plus de grappin. Hop, nice.
Eh, je veux passer mon niveau là, allez, s'il te plaît, fais un effort. Dégage. Merci. Entrer à l'intérieur, maintenir. Ok, maintenir. Maintenant. Alors, j'ai reçu un message de Karim. Il est toujours au carré, au complexe 5 de Gabriel. Je sais pas ce qu'on peut trouver dedans. À mon avis, ça va être funky. Chercher Karim. Ok, il y a déjà certains trucs à loot là-dedans. Pourquoi je le sens mal cette histoire, hein? Pourquoi? Ok, attends, on va looter quand même, on va looter. Ok, ou on va pas looter. Très bien. Ok, soit. Ah, j'allais dire, je me suis... Non, non, en fait, non. Je pensais qu'on pouvait crocheter, enfin tourner le truc et déplacer le crochet en même temps. En fait, non, pas du tout. Mais si on arrête un tout petit peu, on peut. Enfin, si on arrête de tourner avec la touche, enfin, je vais refaire ça. C'est quoi ça? Une brique? Seriously? Je fais quoi avec ma brique, moi? Oh, trop cool! Très bien. Je peux faire deux... Attends, je vais l'emmener avec moi. Ça peut toujours être utile, une brique. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est foutre, rien. C'est pas grave, on s'en fout, on va tout droit. Si jamais il y a un zombie, je lui balance la brique à travers la gueule. Et je cherche quoi en fait, moi, dans cette histoire? Salut les gars! Ça va? Tu veux une brique? Tiens, attrape. Oh jeez, man! Ouais, t'as craqué. Aïe, et je répare mon arme, t'as pas le droit. Une seconde, j'arrive tout de suite, les gars. Compétences, niveau d'agilité. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est quoi déjà? À mesure que votre corps se renforce, vous pouvez régénérer davantage de santé. Mm-hmm. Un tacle bien placé occasionnera des dégâts du premier coup, de plus la durée du tacle sera accrue. Ok. Donc ça c'est le coup en avant, bam, avec les deux mains. Retour de manivelle, utilisez l'arme de jet à la torche UV tout en retournant. Oh oui c'est vrai, ça ne m'intéresse pas. Chute légère, réduit les dégâts occasionnés des chutes de moitié, ça paraît bien ça. Et sur C juste avant de toucher le sol pour réduire les dégâts de la chute. Castibia, porter un coup de pied pendant une glissade, blablabla, ouais. Renversement, initiation, ouais. Ah ouais. Étourdis le mordeur pendant 5 secondes, ok. Grappin. Non. Alors, soit c'est la santé, soit c'est le gros coup là. Ou la chute. Parce que je chute souvent. Vous l'aurez remarqué. Mais maintenant qu'on a le grappin, éventuellement, on peut s'en sortir sans. Et j'ai bien envie de prendre ça, là. Le tac bien ajusté occasionnera des dégâts du premier coup. On est d'accord que c'est bien avancer. Le tac, ouais, c'est bien ça. Un tac bien ajusté. Vas-y. Et on va tester ça directement. Amenez-vous. Holy crap, man. J'ai pas réparé mon arme avant. T'as vu ce que j'ai fait à ton pote? Tu veux vraiment la tenter? Non, vraiment. Bon, je fouille pendant ce temps. Ah, regarde, il se cache. Amène-toi, mec. Marche pas. Allez, j'ai pas le temps, là. Ah, c'est pas vrai. Bon, ouais, non, le tacle... un tacle bien... Alors, je sais pas si j'ai mal placé le truc, mais... Bon, j'en sais rien. Je sais pas trop. Toujours est-il, nous avons un niveau de puissance. Dans quoi on place ça maintenant? Ça commence à être compliqué, les amis. Élimination, faufilez-vous derrière les ennemis en appuyant en silence, et enfin tuer en silence, et très être à la tout ça. Double les dégâts figés par les armes de jet. Ça peut être plutôt pas mal pour le défi que j'ai et que je n'arrive pas à faire, qui se trouve quelque part, enfin chez le fou là, chez Refé là, ou comment il s'appelle? Refé, si c'est ça, je sais pas comment, bref. Donc ça pourrait être bien. Je sais pas. Enclume, frapper les sub d'un coup puissant, jamais d'arme à deux mains, donc c'est vrai que c'est pas vraiment rentable et utile. Faufilez-vous derrière les ennemis, ouais. On va tester, j'ai décidé de tester, on va tester. Hachette de jet médiéval, 184 de dégâts. Je pense que déjà de base, on est d'accord, ça fait très mal. Hein, n'est-ce pas? Donc on verra ce que ça va donner maintenant. On va directement les prendre d'ailleurs. Voilà, comme ça je testerai.
sur nos potes dès qu'on en dès qu'on en verra d'autres. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait pour rentrer dans ce bordel? Ok, la réponse est on ne peut pas. Très bien. Y a pas de problème. Et j'emmène ma brique. Oui. Parce que c'est une arme de lancer aussi finalement. Ça passe, non? Vous n'êtes pas d'accord? D'autres trucs là? Non? Non? Je vais l'acheter par là-bas. On va la récupérer tout à l'heure. On va looter rapidement. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une armoire? Ouais, non? Bon, ouais. Plastoc? Ouais. Très bien. On s'en fout. Ma brique. Ouais! Qui veut jouer avec moi? C'est génial. Alors, voyons voir. Tac, tac, tac. Ouais, c'est vrai. Hey, c'est moi qui l'ai eu en prums. Okay, en prums. Techniquement, oh, inventaire plein. Techniquement, je l'avais eu. C'est quoi cette histoire? Alors, barre lourde, tu dégages. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut dégager là directement? La potion d'allié au champi. Ouais, voilà. Les shurikens. Bon. On peut les placer, c'est vrai. Faudrait que je vire encore un truc. Ou alors on laisse une arme sur place, ce qui est aussi une possibilité remarquée. Voyons voir. On va prendre ça. On va prendre ça. Et la brique, elle est vachement bien. Non, vraiment. Qu'est-ce qui m'a de nouveau embarqué? Les couteaux de chez militaire, mais... Attends, remarque, c'était quoi? Voilà. Tu dégages. Sabre, chose truc. J'ai tout pris? Inventaire plein, oui, je suis au courant. On y va. Et j'en mets ma brique, oui, j'insiste. Parce qu'elle est vachement cool. Bon, on est un peu plus lent, mais c'est pas grave. Merde, je dois lâcher ma brique et je dois monter quelque part, c'est ça le concept? Dammit! Par où qu'on monte dans ce merlan? C'est pas trop, hein? Non, ça c'est les toilettes. C'est vrai. Bon, ça m'étonnerait qu'on doit revenir sur nos pas. Ce serait un peu débile. On est à combien d'épisodes? Oh! Faut que j'arrête, bordel de cul! Faut que j'arrête! Mais j'aimerais quand même trouver la suite avant d'arrêter. On peut rien faire là, hein? Non, on peut rien faire. Y'a pas une porte qui s'ouvre quelque part? Pas ici. Pas ici. Bon, attends, on va trouver autrement. Ah 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 ah! On a trouvé! Je sens que ça va pas me plaire cette histoire. V? Non, ça marche pas. Oui, oui, t'énerve pas, t'énerve pas. Ok. Bien, on est arrivé en haut. Je pense que la sortie est par là-bas. Les amis, moi je vous laisse ici pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Voilà. Hein. Et je vous retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde! Oh, elles sont les sorties, je sais pas par quel miracle. What? Mais va mourir toi! Voilà! Ouais, mais c'est quoi cette histoire là? Bien sûr que oui, tu vas crever! Et plutôt deux fois qu'une! Non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Toi, bouge tout de suite avant que je m'énerve.